Troisième étape de la démarche de résolution de problème. Donc je vous rappelle, la première étape était une étape de cadrage, où on cherchait à dire qu'est-ce qu'on veut faire et à avoir l'approbation du client pour mener la démarche de résolution de problème et lui présenter notamment le coût et bien sûr les bénéfices d'une résolution de problème. La deuxième étape, c'était l'étape où on essayait de remonter aux causes. Donc c'était une étape d'enquête, hein, où on cherchait avec obstination et rigueur à remonter à la cause racine du problème. La troisième étape que je vais vous présenter maintenant est l'étape où on va rechercher des solutions, donc par rapport à ce qui cause le problème. Et donc pour ça, il y a la recherche de solutions, mais il y a aussi un point très important qui est la sélection. Parce que souvent, surtout quand on est, quand on a une équipe puissante et imaginative, on ne va pas trouver une solution à un problème, mais on va trouver plusieurs solutions. Et la question, c'est de se dire, parmi ces solutions possibles, quelle est celle qui présente le plus d'avantages pour moi? Les outils permettant de chercher des solutions sont les suivants. Alors tout d'abord, évidemment, quand vous avez trouvé les causes d'un problème, pour trouver les solutions à mettre en place, eh bien à nouveau, vous avez un outil dont on a parlé, qui est le brainstorming. Donc qui consiste à réunir les gens et puis à trouver beaucoup d'idées. Une fois qu'on a fait un brainstorming, le problème, c'est qu'on a une famille de solutions possibles, mais une famille nombreuse. Et donc la question, c'est de se dire, parmi ces solutions possibles, quelles sont celles que je veux mettre en place? Je ne vais pas les mettre toutes en place. J'ai de la marge de manœuvre, donc qu'est-ce que je fais? Alors pour ça, il faut deux choses. Donc là, c'est présenté à la fin de ma formation sur le brainstorming. C'est, je vous dis, le brainstorming, c'est pas juste trouver des idées en s'amusant. Le brainstorming à la fin, c'est parmi toutes les idées qu'on a trouvées, c'est se mettre d'accord pour sélectionner celles qu'on va mettre en place. Et donc, dans cette phase, il faut deux choses. Il faut se mettre d'accord sur des critères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche qui va faire qu'une solution est intéressante. Et puis, une méthode de travail, donc qui peut être une méthode consensuelle, une méthode avec des votes, une méthode de tour de table, etc. À la fin, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les solutions possibles? Eh bien, c'est simple, on les classe. Et donc, pour ça, on utilise un tableau de scoring ou de ranking où on va, par rapport aux divers critères de sélection qu'on a trouvés, mettre une note, éventuellement pondérer cette note. Et donc, normalement, la solution qui a le plus d'avantages va être calculée et va sortir en haut du tableau. Finalement, une fois qu'on a sélectionné ce qu'on allait faire, on va rentrer dans une phase qui est une phase que vous connaissez bien, qui est la phase de gestion de projet. Parce que la solution, il faut la mettre en place. Et donc pour ça, il va falloir présenter les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser. Alors, on va mener une étude de faisabilité. Alors, c'est un peu une étude de conception de projet. Ça peut être un QQO-QCP. Et donc cette étape de faisabilité, je vous la décrirai plus en détail, mais bien sûr, avant de se lancer, avant de démarrer un projet, on a cette phase de go-no-go, où on décide d'y aller sur la base d'un maximum d'informations. Alors, quels sont les livrables de cette phase? Le principal livrable de cette phase, c'est un plan d'action. Qui vous dit, voilà, non seulement on a trouvé la solution, mais on a déjà des idées sur la manière dont on va pouvoir la mettre en œuvre. On a vérifié que on se lance dans une solution, la solution peut coûter de l'argent, on a vérifié que c'était faisable. Donc on a validé la faisabilité du projet. Donc ça veut dire notamment qu'on a rassemblé les moyens nécessaires pour mener le projet jusqu'au bout. Une équipe de personnes compétentes, du temps et de l'argent. C'est trois grands types de ressources qu'on utilise. Et puis on a aussi des objectifs clairs, donc on sait exactement maintenant qu'est-ce qu'on pourra mesurer pour vérifier qu'on a bien fini la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Vous savez qu'un projet, il va avoir des jalons, donc des moments dans le temps où on va avoir des livrables.
quelques conseils sur cette phase de recherche des solutions. Donc là, vous avez besoin d'une équipe et idéalement, il faut mettre déjà dans cette équipe les gens qui vont s'occuper de mettre en œuvre la solution. De telle sorte qu'ils mettent en œuvre une solution, mais ils ont aussi participé pour la choisir. Donc ils sont engagés. Autre recommandation, les gens qui vont bénéficier, qui vont profiter de la résolution du problème, ils vont être forcément motivés pour travailler sur le projet. Et donc c'est des éléments moteurs importants. Donc ça peut être intéressant de les inclure dans cette phase de recherche de solution. Alors maintenant qu'on a terminé cette phase de recherche des solutions, donc et cette phase où on trouve la meilleure solution, je vais vous proposer de présenter la dernière phase de la méthode de résolution de problème, qui est la phase d'action. Donc vous voyez, on réfléchit beaucoup avant d'agir. Toute la valeur ajoutée que vous avez, c'est une valeur ajoutée en matière grise. Dans cette étape 4, je vous présenterai essentiellement deux choses. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre un plan d'action? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour valider que les résultats sont obtenus?